Allô, MC4 Team, j'écoute. Oui, c'est CLB, je peux savoir ce que tu fais, en fait là tu dors depuis 3 mois. Et c'est pas un peu de ta faute peut-être? Non mais tu sais bien, je suis occupé avec le lycée et tout ça, j'ai pas tout à fait le temps. Hein. Ça n'excuse rien, t'es quand même censé m'alimenter en contenu un peu. Mais vas-y, essaye, de toute façon plus personne joue à Minecraft maintenant. Et bah faut faire autre chose. Et notre public il est arrivé pour Minecraft à la base, hein, ça va pas les intéresser. Franchement, sans vouloir t'offenser, le public il est pas là tout court. Ah, ok, tu sais quoi, rendors-toi et ne te réveille jamais. Mais... tu es fini et tu le sais. Mais c'est hyper méchant ça. Ah l'enfoiré. Alors, on a 2-3 choses à vous dire. Comme vous l'avez vu au titre, c'est aujourd'hui le 4e anniversaire de la MC4 Team, ce 13 octobre 2017. Et c'est aujourd'hui qu'on célèbre la sortie de cette vidéo, la toute dernière de la chaîne. La chaîne va s'arrêter après. Alors je vous rassure tout de suite, hein, déjà pour commencer, les vidéos qui étaient déjà vont rester. La chaîne ne va pas être supprimée en bonne et due forme, hein, si vous voulez retourner dans les archives, vous pouvez. Même si je vous recommande pas tout. Parce qu'en effet, personnellement, et avec la team, on n'est plus tellement satisfait de ce qu'on a pu faire par le passé. On n'a pas envie de continuer sur la même base, on a envie de tout reprendre à zéro. C'est pour ça que, sans arrêter YouTube, et là je pense que j'ai dissipé votre plus gros doute, on va créer une nouvelle chaîne. Mais cette chaîne, elle ne sera plus consacrée à Minecraft, ou du moins quasiment plus. Cette chaîne sera plus cohérente, bâtie sur de nouvelles bases. Cette chaîne aura des standards de qualité largement supérieurs, car on ne peut plus se contenter du minimum. Cette chaîne sera multigaming, mais dans un premier temps, initialement centrée sur un seul jeu. Le jeu qui, après Minecraft, a réussi au mieux à nous fédérer. Ce t-shirt ne va pas du tout avec ce pull. Ce jeu sur lequel nous passons ensemble des dizaines et des dizaines d'heures au sein de la MC4 Team. Ce jeu sur lequel on va faire des vidéos. Car le monde a besoin de héros et de vidéastes. Comme certains d'entre vous l'auront deviné, ce jeu, ce sera... Cette chaîne YouTube, je vous l'annonce tout de suite, n'est pas très fixée dans la forme. Pour le moment, nous n'avons même pas de nom définitif au moment où je tourne cette vidéo. Bordel ! Nous n'avons qu'une bannière, une ébauche de charte graphique, mais beaucoup d'idées à revendre. Mais nous allons prendre notre temps pour les concrétiser. Tout ça ne va pas sortir directement du jour au lendemain. Dans un petit mois peut-être, dans quelques semaines en tout cas. Ces vidéos seront peut-être moins fréquentes que ce que nous avions l'ambition de faire avec la MC4 Team. La MC4 Team voulait faire dans les 2 ou 3 vidéos par semaine, c'est un rythme qu'on a quasiment jamais tenu de manière stable. Et vous l'avez certainement perçu avec les vidéos de ces derniers mois qui ont surtout consisté à s'excuser pour nos retards. Je me hais! Tout ce qu'on n'a pas fixé, en fait, on a envie de le fixer avec vous, les abonnés actifs de la MC4 Team qui nous suivront sur ce projet. La chaîne n'a pas encore de lien, elle n'est pas encore ouverte. Ce lien, on le communiquera sur notre Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez connaître ce lien, il faut soit me suivre sur Twitter, soit rejoindre ce Discord. Et sur ce Discord, tous ensemble, c'est entièrement public, n'hésitez vraiment pas à venir et à contribuer. On va débattre de nos idées, que ce soit pour la forme ou le fond de cette chaîne. Et on a bien besoin de contributions pour déjà se fixer sur un nom, ce serait la première des choses. Et sur plein de détails, de manière à ce que cette chaîne soit vraiment... carré et qu'on ait vraiment quelque chose pas à l'arrache quoi, et pour ça j'ai vraiment envie qu'on en discute. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous suivez les membres de la MC4 Team et que vous voulez nous voir encore sur YouTube, c'est sur Discord que ça va se passer, c'est là qu'on communique, on y est un peu tout le temps, et c'est vraiment là que les choses vont se faire à partir de maintenant, avant l'ouverture de la chaîne. We want you pour refonder une nouvelle MC4 Team. Toutes les propositions sont les bienvenues, on ne pourra rien faire sans vous. Alors, pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser, cette future chaîne, donc future team, ce sera les mêmes gens que pour la MC4 Team, c'est juste qu'il y en a certains que vous verrez plus ou moins que ce que vous voyez avant, parce que c'est sur Overwatch et que ce n'est pas 100% des joueurs de la team qui ont Overwatch. Autre chose, ce ne sera pas du 100% Overwatch, ce sera majoritairement Overwatch dans un premier temps, mais on reste ouvert à refaire du contenu sur Minecraft aussi en que ça chante, pourquoi pas, je sais que Mr. Black Hole prépare une map Minecraft, Altic prépare également une série Minecraft. Mais là encore, on n'a pas de date de diffusion à vous annoncer, c'est encore des ébauches de projets. Donc on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. Quant à Swarkle, il joue à Paladin. Ah ! Mais pour autant, il n'y a personne qui est viré de la team ou qui rejoint la team à cette occasion. Non, 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 on reste les mêmes. Et on reste toujours fédérés sur le Discord avant tout. Et je parle beaucoup, beaucoup du Discord, mais c'est vraiment important que vous le rejoigniez si vous nous suivez. C'est vraiment super simple si jamais vous ne connaissez pas encore Discord, déjà, pour... il faut... Sortez de votre grotte. Bon, je dis ça, il y a peut-être des gens qui sont pas spécialement gamers parmi mes abonnés, ou pas spécialement insoumis, hein, selon TF1. Bref, c'est marrant, j'ai une moitié de visage surexposé et l'autre moitié sous-ex. Quand il y avait des nuages, c'était pas trop flagrant, mais là c'est moche, chauche. Et le temps de changer d'endroit pour filmer, j'ai oublié de vous décrire comment fonctionnait Discord. En fait, c'est pas du tout compliqué. Il faut cliquer sur le lien, entrer un pseudo et potentiellement une adresse mail, c'est quand même mieux. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Après, il y a des salons textuels et vocaux pour interagir avec nous. Et évidemment, nous jouons à d'autres jeux vidéo que Minecraft et Overwatch.
Ineisha, anciennement Okino, est pas mal sur un jeu qui s'appelle Hollow Knight, qui est très très beau et très très bien. Charles ou Edea qui est vachement sur ses exercices de physique, mais ça n'est pas sûr qu'on en fasse des vidéos. En vrai, à ce stade, tout est encore possible, donc voilà, on s'affranchit du poids qui est maintenant devenu la MC4 Team pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir dans une nouvelle aventure, comme disent les youtubeurs. On compte sur les viewers qui s'intéressent encore à ce qu'on fait, et on sait qu'il y en a parmi les 460 et quelques abonnés, dont 80 inactifs, pour nous suivre dans ce nouveau projet. Donc sur ce, je vous dis à bientôt sur le Discord, à bientôt sur la chaîne, et je vous dis au revoir, c'était Cléiade. Ouais, mais Cléiade, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu te calmes, Billy? Alors déjà, Cléiade, en fait, c'est mon nouveau pseudo. Parce que, ouais, CLB, je me le trimballe depuis 2012. Coucou d'ailleurs aux membres de Bric-à-Brac qui ont été les premiers à connaître ce pseudonyme. Et je vous cache pas qu'avoir juste mes initiales, ça commençait à me saouler un petit peu. Alors voilà mon nouveau pseudo. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ou pas d'ailleurs, parce que ça m'est complètement égal. Je sais bien qu'il passe un peu mieux à l'écrit qu'à l'oral, mais écoutez. Hein. C'est sous ce nom-là, en tout cas, que vous allez me reconnaître sur Discord et sur la future chaîne. Donc c'est sur ces mots que nous clôturons une aventure de 4 ans, jour pour jour, qui a été la chaîne de la MC4 Team. Je vous remercie de nous avoir suivis tout ce temps, de nous avoir suivis même quand on faisait un petit peu n'importe quoi, parce que c'est arrivé. Et enfin, on peut pas revenir sur le passé, ce qui est fait, et on peut au moins constater notre progression, et ces bases que nous avons acquises, nous allons nous en resservir pour créer quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau. À tous ceux qui ne nous suivront pas dans ce nouveau projet, ce fut un plaisir de vous connaître, ou de ne pas vous connaître d'ailleurs. J'espère que vous aurez apprécié tout ce qu'on a pu faire au fil du temps. Donc sur ce, il est l'heure de quitter cette chaîne, de procéder à notre déménagement. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter la MC4 Team. Je vous dis au revoir. Que personne en commentaire ne vienne nous dire qu'on arrête YouTube.